Un incendie s'est déclaré ce lundi matin dans un bâtiment qui abritait des squatteurs quai de la Souille sur la rive droite de Bordeaux. Une trentaine de familles d'origine bulgare occupaient les lieux. Le squat aurait été incendié par un occupant lors d'une opération d'évacuation. Les pompiers sont intervenus rapidement. Aucune victime ne serait à déplorer. Les auteurs n'ont pour l'heure pas été identifiés. La Corrèze et la Creuse placées en vigilance neige et verglas ce lundi jusqu'à demain matin 6h. 50 cm de neige sont attendus localement avec une limite pluie-neige très basse. Les températures ont chuté dès le week-end dernier et les premiers flocons de neige sont tombés dès dimanche à partir de 1000 mètres dans les Pyrénées. Ces paysages blanchis se sont partagés largement sur les réseaux sociaux. Les plongeurs de la brigade nautique d'Arcachon ont découvert dimanche après-midi dans le lac de Sanguinet le corps du garçon de 14 ans recherché depuis jeudi dernier. Le procureur de la République de Mont-de-Marsan a indiqué hier soir dans un communiqué que le corps de l'adolescent avait été retrouvé à plusieurs mètres de profondeur et à environ 200 mètres du rivage. Les conditions de sa disparition restent pour l'heure encore floues. Une autopsie sera pratiquée dans le courant de la semaine. Elle devrait permettre de déterminer les circonstances du décès du jeune garçon. Espelette a fêté le piment le week-end dernier. Cette fête est devenue une véritable institution au Pays Basque depuis 1968. Plus de 30 000 personnes investissent chaque année le village, mais cette année, la fête s'est déroulée dans un contexte particulier. Le piment a en effet été victime des conditions climatiques. La récolte s'annonce donc en baisse. Au 1er décembre prochain, date de la fin de la récolte, les producteurs de piment d'Espelette pourront faire un bilan final.